we've finally got down to something which the individual says he really wants to do, I will say to him, you do that. And forget the money. Because if you say that getting the money is the most important thing, you will spend your life completely wasting your time. You'll be doing things you don't like doing in order to go on living, that is, to go on doing things you don't like doing. Coucou tout le monde, je tiens la caméra à bout de bras parce que j'ai perdu mon trépied, enfin ma perche, donc je vais aller la chercher. Aujourd'hui on est le 26 août, je vais vous faire un vrai vlog, un vlog un minimum intéressant, mais un vlog au moins où je vous emmène une partie de ma journée, donc let's go. Bon, aujourd'hui comme il est déjà 10h40, je vais juste prendre un bout de banane et une tisane parce que faut que j'arrête de manger des porridge tout le temps. Je sais pas si vous me suivez sur Snap, mais j'en mange limite 2 par jour, donc ouais. Pour ceux qui n'aiment pas genre l'eau toute seule ou même, enfin je sais pas, qui n'aiment pas les tisanes d'habitude, je vous conseille vraiment celle aux fruits rouges. Genre elle est hyper goûtue et super sucrée. Et voilà, c'est super bon, franchement goûtez. Bon alors je me suis dit que quitte à avoir une tête un peu voilà du matin, j'allais vous montrer comment je me maquille un peu tous les jours. Pour la rentrée ou quoi, enfin je me dis un peu tout le temps pareil. En même temps je vais vous expliquer un peu pour ceux qui ne me suivent pas sur Snap par rapport aux vidéos, une vidéo par jour. J'essaie de faire ça assez rapidement. Donc d'abord petit truc, il y a mon père derrière, c'est grave jeune hein. Les produits seront référencés, on va dire, en barre d'infos parce que... donc je me suis lancée comme défi au moins jusqu'à rentrer d'essayer de faire une vidéo par jour. Essayer, j'ai bien dit, ça veut pas dire que je le ferai vraiment, mais je vais quand même tenter. Pour l'instant j'y arrive assez bien, ça va faire 2 jours si vous voyez cette vidéo. Pourquoi je fais ça? Déjà c'est un peu un défi à moi-même, parce que j'ai remarqué que quand je tourne une vidéo, j'arrive pas à la monter vite et à la poster directement. Et ça c'est vraiment un truc qui m'insupporte, parce qu'après je me mets un peu à détester la vidéo que j'ai filmée. Et au final, la moitié des vidéos que je filme, même si j'aimais bien de base leur contenu, bah je les... Je me regarde dans mon portable. Je me mets à les détester et à jamais les poster. Et franchement, je trouve ça trop dommage parce que y a plein de vidéos que j'aime bien que je n'ai jamais postées et au final, je regrette. Enfin bref. Donc je me suis dit que si je devais en mettre une par jour, je serais obligée de la poster dans tous les cas. J'estomperai un peu mieux après, je vous rassure. Donc après, je me suis dit que ça pouvait être un défi à moi-même, le genre de truc qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et puis c'est vrai que je trouve que sur ma chaîne et sur mon Insta en général, j'ai quand même pas mal de gens qui me suivent, enfin pas mal, mais qu'il y en a plein qui sont pas très actifs. Et je sais pas si c'est de ma faute ou juste parce que voilà, mais... y a plein d'abonnés sur cette chaîne qui sont là depuis super longtemps, depuis 2-3 ans, et en même temps je comprends, enfin donc je me dis peut-être que les gens qui n'aiment pas mes vidéos me verront tous les jours dans leur feed d'actualité et en auront marre, donc se désabonneront, donc ce serait une sorte de logique. Et peut-être que ça permettra aux gens qui me suivent sans savoir vraiment qui je suis de regarder plus souvent mes vidéos, donc on va voir ça. D'enlever les petits trucs là. Ensuite je vais mettre de l'eyeliner, mais là je vois rien du tout, donc je vous explique. Je vais aller le mettre à côté, j'en mets du milieu de mon oeil jusqu'au bout, mais vraiment un tout petit trait, genre super super fin. Je fais pas de virgule, si je peux mettre un peu en valeur mon mascara. Bon, j'en ai fini avec mon maquillage, maintenant je vais aller monter, je pense, le début du vlog, ranger ma chambre comme tous les jours et ouais, foutre le bordel. Donc c'est parti, je vous retrouve juste après tout ça. Alors je suis en train actuellement de regarder un film, donc j'ai mangé, là on est dans l'après-midi. C'est le film Cookie, donc avec Virginie Efira et une autre actrice que je connais pas du tout. Bah, franchement c'est trop trop cool, donc je vous conseille de la regarder. En même temps je fais un peu de tricot pour en fait un shooting photo. Moi,
Peut-être que le jour où je ferai ça, je vous emmènerai avec moi et je vous expliquerai. Voilà, je vous en reparlerai à mon avis. Enfin bref, donc le film c'est un petit garçon qui est chinois, qui est en quelque sorte abandonné par sa mère. Enfin, on sait pas trop pourquoi, il l'a laissé chez sa patronne, donc qui est hôtesse de l'air. Et sa patronne doit découvrir où est partie sa mère. Et c'est trop cool, donc je vous conseille de regarder ça. Donc là, je suis en train de lire un livre depuis environ une heure. Ça s'appelle La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Donc, je le connaissais pas avant. Je vous en reparlerai, je pense, et c'est super cool. Bon, il est un peu gros, donc je vais m'y remettre. Coucou, donc je vous retrouve les cheveux mouillés. Ça me fait peut-être un peu chelou, mais... Alors, en fait ce soir je vais pas pouvoir vlogger parce que je fais la serveuse à l'anniversaire de mariage d'amis à mes parents. Donc je vais genre servir les plats et les trucs comme ça. Donc je vais vous montrer comment je me suis habillée, voilà, j'ai piqué un t-shirt à ma mère. Donc je vais vous montrer ça et... Donc faites pas gaffe au bordel derrière. En fait j'ai pas rangé, donc je sais pas si vous allez bien voir à la caméra, mais je porte un haut orange. Je vais peut-être le mettre dans mon pantalon vu qu'il est trop beau. Et en bas, j'ai juste un jean noir. Voilà. Bon, j'espère que ce vlog vous aura plu. C'est vrai que pour l'instant, sur la vidéo d'hier, j'ai pas eu énormément de retours, mais mes abonnés n'arrêtent pas d'augmenter. Je pense que c'est par rapport au Get Unready que j'ai fait il y a quelques jours. Je crois que j'ai gagné 100 vues aujourd'hui. Donc ça me fait trop bizarre et bienvenue au nouveau. Donc voilà, bisous.